19 février, camp de l'armée près de Vaucouleurs. Ce matin, je me suis éveillé avec des visions de feu et d'acier. Ces cauchemars me reviennent plus souvent depuis que j'ai vu ma France bien-aimée, ravagée par des années de guerre. Je parcourais le campement sans me préoccuper de la dernière chute de neige, en observant les blessures et l'épuisement de chacun des soldats sous mes ordres, lisant le désespoir dans leurs yeux. C'est alors que je vis la jeune fille. Elle nous dit qu'elle s'appelait Jeanne d'Arc. Elle nous a expliqué qu'elle n'était qu'une paysanne qui ne savait ni monter à cheval ni s'abattre. Elle nous a dit qu'elle voulait sauver la France. Le voile sombre dans le cœur des hommes s'est levé. Sa voix retentissait avec conviction et nous buvions chacune de ses paroles. Si moi j'ai perdu la foi, Jeanne, elle ne l'a pas perdue et cela me suffit. Jeanne a demandé à notre bande de soldats réduits en loques de la conduire jusqu'à Chinon, où le souverain légitime de la France, le Dauphin, se tient caché de ses ennemis. Déchiré par la guerre, le chemin qui y mène est infesté de maraudeurs ennemis et nous allons y perdre beaucoup d'hommes. La mort était déjà une vieille compagnie, mais pour Jeanne, nous allons l'affronter à nouveau. Salut tout le monde, c'est Jax, on se retrouve aujourd'hui sur Edge of Empire 2 HD Edition pour faire la campagne de Jeanne d'Arc. Alors je vais la découper en plusieurs épisodes, donc le premier ça va être de conduire Jeanne d'Arc jusqu'au château de Chinon, depuis le camp de Vaucouleurs. Et l'objectif premier c'est bien sûr qu'elle doit survivre. Bonjour Jeanne, mon collègue et moi nous allons vous escorter jusqu'au château où nous périrons avant. Je suis Jean de Metz, et je vais vous protéger au prix de ma vie. D'accord les gars, bah y'a pas de problème, hein, ma foi. Allons-y, hein. Okay. Soyons tous heureux, allons-y, allons mourir. Vous êtes Jeanne d'Arc. J'ai entendu vos revendications, et je crois ce que vous dites. Nous vous suivrons jusqu'à Chinon. Eh bah c'est pas mal, hein. Bon, ils ont pas l'air d'être tous très convaincus non plus, hein. En même temps, je doute qu'à l'époque, attendez, beaucoup étaient convaincus. Hein. Vous pourriez avoir besoin de quelques archers sur la route. Tenez-vous sur vos gardes sur cette route. Nos ennemis, les Britanniques, sont sortis en force et leurs alliés, les Bourguignons, sont là en grand nombre. La discrétion est la meilleure forme de courage. D'accord. Bah, peste soit les Bourguignons. Hein. Donc, on va passer par où de chemin. Allez, on va prendre le dessus. J'ai aperçu un repère de Bourguignon au nord. Mieux vaut prendre un autre chemin. D'accord, bon bah on va le prendre, hein. On va descendre au sud. Alors des loups, je supporte pas ça. Allez hop. Voilà. Au deuxième. Je supporte pas ça dans ce jeu puisque ça nous défonce à chaque fois un villageois. Donc je ne supporte pas voir ces bestioles. Oula. Une bataille fait rage. Restons à l'écart de crainte d'être pris entre deux feux. Wow. Encore une perte glorieuse pour la France. Oh. J'espère que vous pourrez vraiment inverser l'issue de cette guerre, Jeanne d'Arc. Oh, ils se sont fait défoncer. Ah, c'était violent là. Donc les rouges, c'est les Britanniques. Ouais. Je suppose qu'ils ont défoncé les jaunes qui devaient être la France, mais ils se sont pris vraiment cher. Oh. C'était violent. Bah, j'espère qu'on va pas tomber sur un piège comme ça. Parce que là, on serait vraiment mal. Et Jeanne d'Arc est un peu à la traîne, là. Voilà. Et hop, cours un peu. Déjà que les gens sacrifient ta vie pour toi, alors... Je sais absolument pas où on va. Oh là là. Je n'aime absolument pas ça. Ah, il est cassé. Bon. D'accord. Il n'y a plus de pont. Les Britanniques ont dû le détruire. Nous devons trouver un autre chemin pour Chinon. Attends, vous êtes pas trop foulés, les mecs. Hein. Je pense que ça se passe quand même. Hein. Ah, il y a encore. Oh là là. Oh,
Là, faut buter les archers avant, les gars. Des bandits de grand chemin s'attaquant à des voyageurs sans défense. Qu'est devenue notre patrie? Ouais, bah je viens de perdre mes archers. Nous sommes plus que 7. Ça craint, hein. Plus que 7 dans une campagne comme ça, ouais. Bon, on n'est pas loin d'être à mi-parcours. Oh là là, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Ça appartient à qui? Au Bourguignon. Ah non mais. On va pas passer par là. Franchement, je sais vraiment pas par où aller là. En plus, on est plus que 7, ça va être compliqué. Bon. Est-ce que c'est plus safe par là? Je suis pas plus convaincu. Hein. Venez-en. Ouais Bertrand, je suis d'accord avec toi, ça pue. Oh là là. Oh là 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 là. On va essayer le chemin là. Hein. Parce que là j'ai l'impression que je vais au casse-pipe. Si j'insiste sur le côté. Quoique je me demande si ici il n'y avait pas moyen de passer quand même. Ouais, je sais pas, on va voir. Si ce chemin-là ne mène vraiment nulle part, on va passer ailleurs. Hein. Oh là là là, il y a encore des loups. Il y a des le. Oh, ils ont pas fait trop de résistance. Alors, où est-ce que ça nous mène là? Oh. Alors là, je veux bien, mais on est vraiment plus que 6. Ça pue quand même, hein, cette quête. Bon, l'autre il m'avait dit qu'il y avait des bourguignons au nord. C'était plutôt là les bourguignons. Ah, un autre pont. Bon, celui-là a l'air d'être intact. Bon, je vais éviter les loups parce que j'ai déjà plus beaucoup d'hommes. Donc si on peut éviter en perdre un bêtement. C'est quoi ces bruits là? Oh là là. Des jaunes. C'est des alliés ça. Ouais, on va dire que c'est des alliés. Hein. De toute façon, ils nous attaquent pas. Voilà, c'est la France, c'est les alliés. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas. Oh, il y a une église même. Allez. Rassemblez vos hommes. Nous suivons Janda. Nous emportons le bélier avec nous. Il peut nous servir. Ça, c'est bon, ça. Par contre, du coup, je suis absolument pas sûr de la route. Non, y a pas moyen, non. Bon. Ouais, en fait, je me demande s'il fallait vraiment pas passer par le dessus, en fait. Dès le début. Vous êtes fous. De l'autre côté de ce pont se trouve un château bourguignon grouillant d'hommes. Faites tout de suite demi-tour. Ah, ouais, mais bon, aussi. Bon, bah, on va retourner d'où l'on vient. Hein. Mais bon, aussi, si dès qu'on va quelque part, faut pas y aller parce que c'est trop dangereux, on va aller nulle part. Hein. Ils sont pas très bigous. Hein.
Allez les gars, on y croit. On va y arriver. Donc, du coup, je me demande si le bélier va pas servir à ça en fait. Ouais, du coup, je me demande. Ouais, bon. On va pas commencer à se faire. On va quand même pas commencer à se faire emmerder par des loups. Hein. Non mais oh. C'est qui le papa ici? Merde. Je vais suivre le chemin là, je pense. Je sais pas trop ce qu'il y a, mais. Je pense que je vais suivre le chemin là. On va envoyer le bélier, je pense. Nous avons besoin d'un mangono ou d'un bélier pour franchir ces murs. Allez, vas-y mon coco, fais-toi plaisir. C'est ton moment de gloire. Allez. Il prend tellement cher. Allez, allez l'aider là les gars parce que. Ça descend tellement pas vite. Allez les gars. Ce mur sans un équipement de siège. Vous les Français, vous ne savez pas vous arrêter. On est en train de se faire défoncer là. Ouais, mais là on n'y arrivera absolument pas. Je pense que là c'est mort de chez mort. On se fait troll par un archer tout seul en plus, donc c'est vrai que c'est assez. Allez là, voilà. Bon. Franchement, si j'avais su que ce serait que ça derrière, je crois que je me serais pas emmerdé à aller attaquer le reste, quoi. Parce qu'en fait, ouais, voilà, en fait, il y avait vraiment que le mur à faire sauter. Bon, faut les défoncer eux parce qu'ils vont nous emmerder. Voilà. Alors, j'espère vraiment qu'on va retrouver du monde. Ouais, c'est bon, on retrouve du monde. Parce que là, il n'y a vraiment plus grand chose à faire. Une embuscade. Il y a des soldats bourguignons partout. Partons vite vers l'ouest, jusqu'au fleuve, d'où nous pourrons nous enfuir. Allez, rush, 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 rush. Allez, les gars, go, 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 go. On y croit, on y croit. Ah merde!
Bon, j'avais pas fait gaffe en fait qu'il fallait monter là-dedans au début. Eh ben, on s'en sort pas mal. Alors, par contre, il faut débarquer où là? Faut quand même pas redescendre jusqu'en bas. Sérieusement. Ouais, je crois que si. Ah, je crois bien qu'il va falloir descendre jusqu'en bas. Ah oui, si. Ici, peut-être. Enfin bon, voilà, on n'est plus que 4 dans la galère. Ça va être compliqué de s'en sortir, je pense. On va essayer de rush jusqu'au bout. Mais franchement, ouais, là, ça va être très compliqué. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça Chino, semble bon. Ouais, c'est nous avons bon. réussi. Bon, bah, c'est impeccable tout ça. On a réussi, hein, tranquille. On arrive à Chinon. Bah, impeccable en fait. C'est pas mal fait leur installation et tout là. Ouais, franchement, je trouve ça pas mal du tout. Ouais. Le château du dauphin. Oh bah, bien vu les gens, hein. C'est bien joué, hein. Le dauphin va vous recevoir maintenant. Bon bah voilà, victoire. Alors que le bruit des pas de Jeanne résonnait sur le marbre de la salle du château, les gros ducs, tout en chuchotant, la regardaient fixement. Le dauphin lui-même semblait effrayé quand elle lui a baisé les pieds. Mon noble dauphin, a-t-elle demandé, pourquoi l'Angleterre revendique-t-elle ce qui est vôtre? Pourquoi n'êtes-vous pas couronné roi de France, selon votre droit? Bah, on se le demande. Les courtisans se mirent à murmurer. Le chambellan a parlé à l'oreille du dauphin. Mais le dauphin l'a repoussé et a levé les yeux vers Jeanne. Elle arrive à peine à la hauteur des épaules du plus petit des hommes. Mais nous devons tous lever la tête pour lui parler. J'ignore la teneur de la conversation silencieuse entre le dauphin et son prétendu sauveur. Mais il était évident que Sa Majesté était tout aussi subjuguée que nous. Tu m'étonnes. Du coup, voilà, c'était la première campagne de Jeanne d'Arc. Donc, on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour faire la deuxième, la demoiselle d'Orléans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour le second chapitre. En attendant, salut tout le monde!